Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous lançons pour une nouvelle vidéo de Mass Effect 2 en édition légendaire. Et il est temps d'aller récupérer le module d'identification. Pour ce faire, nous allons au niveau de l'épave du moissonneur. Une épave qui est là depuis 37 millions d'années, un truc dans le genre. Donc c'est un ancien cycle où une espèce a réussi aussi à dégommer un moissonneur. Mais eux, ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas réussi à buter tout le monde. Est-ce que nous, on y arrivera? Une réponse sûrement dans Mass Effect 3. Enfin, sûrement. Réponse dans Mass Effect 3. Mais bon, une chose à la fois. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit... Merde! Le petit like. Merde! Mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. C'était Tali que je voulais. C'est quoi ces scouts, Joker? Je fais ce que je peux. On a des pointes devant à 500 km/h. Il y a un autre vaisseau à côté du moissonneur. Je ne capte pas d'identification, mais sa signature LADAR est celle d'un vaisseau GET. Génial. Maintenant, on sait pourquoi l'équipe scientifique a coupé tout contact. Que s'est-il passé? Les champs gravitationnels du moissonneur sont toujours actifs. On vient de passer dans leur enveloppe. L'œil du cyclone, en somme. Magnifique, hein. Attends, je vais changer. Parce que Samara, j'aime bien, mais... Ah, shit, je peux pas. Bon, on va faire avec Samara. Est-ce que je dois la... Non, ça va, elle était gérée, ça va. Explorer une zone abandonnée, à attendre qu'une saloperie mécanique nous tombe dessus, c'est comme au bon vieux temps. Exact. Il y a de mélo, c'est quoi? Voilà. Là, de deux côtés. Le sas a été installé de l'autre côté de la brèche. Nous avons lancé la pressurisation pour réparer manuellement. L'équipage est sur les nerfs. Par superstition, sans doute. Pas facile de se faire à l'idée qu'on est dans le cadavre d'une énorme entité immémoriale. Très honnêtement, je ne peux pas leur donner tort. Les angles des murs ont quelque chose d'oppressant. J'en ai froid dans le dos. Ok, moi c'est l'heure d'endoctrinement. 4000 ici. Ah, shit. Ah, là je le perturbe complètement. Bon, c'est pas grave, c'est pas très important. Et 37 millions d'années plus tard, Moissonneur utilise toujours l'endoctrinement. Normalement, il est censé être... Normandie, un commando. Que s'est-il passé? Le Moissonneur a installé des barrières cinétiques. De là où on est, on ne va pas pouvoir passer. Nous sommes pris au piège. Il va falloir détruire d'ici les générateurs de barrières. Vous savez où ils se trouvent? Au moment de l'activation, j'ai observé une crête thermique dans ce qui doit être le noyau gravitationnel de l'épave. Je vous transmets les coordonnées. Avertissement, ce noyau maintient également l'altitude du moissonneur. Ah. Donc, si on détruit les barrières pour s'enfuir, l'épave percute la planète. Et du coup, tout le monde crève, ouais. Mais vous allez nous sauver. Le seul timonier capable de nous ramener en sécurité dans les temps, c'est vous. On part à la recherche des survivants et des données disponibles. Gardez le contact. Bien reçu, bonne chasse. Merci. Toujours le module d'identification. Je me demande si les données qu'ils ont recueillies méritaient un tel carnage. Certains diraient que oui. Vous êtes marié? Première nouvelle. Cathy est plutôt du genre irascible. Au mariage de son frère.
contraire, le démon lui a fait un peu de rentre-dedans. Elle l'a rembarré façon Krogan. Cathy, c'est ma femme, c'est moi qui ai dû vous raconter cette histoire. Sûrement pas. Je m'en rappelle très bien. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu Cathy porter des bas. Ouais. Le genre avec des coutures qui remontent sur le mollet, je m'en souviens aussi. C'est quoi ce bordel? Comment est-ce qu'on peut se souvenir des mêmes choses? Cet endroit a affecté leur esprit. Il y a des trucs explosifs. Voilà, je m'attendais justement à ça. Ah. Okay. Les réservoirs à haute pression. Il a rien vu venir. Aucune armure ne résiste à ça. Non? Ok. Ah, c'était pour ça de là, les deux trucs que je voyais. Ok, ça va. Je me suis toujours demandé si cette technologie était l'œuvre des... C'est plié. Ça devrait les occuper. Et si on est dans un truc de moissonneur, hein, des cadavres comme ça, il doit y en avoir. C'est comment, après 37 millions d'années, il est toujours actif, entre guillemets. Sniper. Je n'ai pas réussi à voir le sniper. Un rescapé de l'équipe scientifique. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. J'ai pris le dégât, ouais. Un peu d'argent. Bon, ici ça sent les emmerdes. Soyons honnêtes. Ennemi repéré.
dégage. Allez, debout, fainéant. Arrêtez de dormir. En étant mort, sa faculté d'endoctrinement reste. Ah bah putain. Faut même pas laisser de cadavre quoi. Ok. Ici et ensuite là. Parfait. Je vais prendre ça, on sait jamais. Toujours utile. Nous en avons déjà vu, Shepard. Votre peuple les appelle Dents du Dragon. Les Geths s'en étaient servis sur Eden Prime. Mais oui. J'ai entendu dire qu'on en a retrouvé sur des mondes bien antérieurs aux Geths. À mon avis, ce sont les Moissonneurs qui les ont créés. Vous voyez la disposition de la pièce? On dirait qu'ils vénéraient cette horreur. C'est ce qu'il semble, oui. Mais pourquoi voudrait-on s'infliger ça? Vous avez entendu le journal de bord. Ils avaient des hallucinations. Ils étaient endoctrinés. J'en ai déjà vu sur Eden Prime, et à deux ou trois occasions. Ouvrez l'œil, il y avait pas loin de 100 membres dans l'équipe scientifique. Il risque d'y avoir encore pas mal de zombies. Oh, on approche de la centaine, là, je pense. Hein, on a éliminé. La question, c'est est-ce qu'il y aura encore des zombies? Ah non, est-ce que les zombies, c'était pour les humains? Juste. Ah, par là. J'étais justement en train de me demander par où je devais aller. Ah, le sniper. Ah. Merci, sniper. Merci, Getz. Administrateur. Intriguant, hein. Le sniper était un Getz. Un Getz capable de langage. Une première. Depuis quand les Geths opèrent en solo? Plus ils sont nombreux, mieux ils risquent. Ouais. Coup direct. Ça devrait les ralentir. Il est terminal quelque part, mais je le vois pas. Non, ça c'est derrière, encore une fois. Terminal doit être au-dessus, c'est ça. On verra. Une chose à la fois, comme on dit. Mmh.
Ouais, bon. Je me suis dit, je vais aller au CAC, je vais placer le tourbillon. Non, non, non. Ça passe pas comme ça. Ennemi à droite. Venez goûter à la vérité. Tourbillon, il faudrait que je l'améliore. Hein. Il est plus assez, il est pas encore assez puissant. Dégage. Ennemi à vue. Bien vu. Où? Ah ok. C'est plié. Parfait. À moi. Parfait, on peut avancer. Bon. Désolé pour le dernier coup. On en est où au niveau du commando? Sa gueule a été, il me faut encore un tout petit peu de poids. Ok, ça va. Chute.
On attend un tout petit peu, le temps que la santé remonte. Voilà. Terminer l'accès. Et s'il y en a un deux, c'est ça ? L'ennemi utilise des armes lourdes. Exactement, il y en aura une. Je suis un peu nourri. Je m'éloigne un peu. Avec eux, se protéger, ça sert à rien, ils bypassent les barrières, donc honnêtement, ça sert à rien. Ennemi droit devant. Je devrais utiliser l'autre arme, hein, mais bon. J'avoue que ça c'est devenu ennuyeux d'utiliser cette arme-là. Arme lourde. Allez, dégage. Une telle résistance est monstrueux. Encore deux, putain. Cible éliminée. Les boucliers sont HS. Ah, même à travers le bazar, il me prend. Titre, je sais. Ta vie m'appartient.
Voilà. Ah bah bordel. Ennemi repéré. Corps. Il y a eu un dernier baroud de nord, on va dire. Nous devons détruire le noyau gravitationnel. Ensuite, on se tire de là. Et vite. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Alors, ici. Oui. Là, ça m'aurait étonné. Parfait. Module d'identification moissonneur. On le prend. C'est notre objectif. L'équipe Cerberus a réussi à le récupérer. Mais où est-ce qu'ils sont tous? De l'autre côté de la porte? Je sais pas. Frère m'aurait étonné. Moi ça revient régulièrement, c'est déjà ça. Littéralement de le faire. Sur moi, ça fonctionne pas trop. Ok. Donc, il va y avoir une troisième vague. Exactement, sinon, c'est pas marrant. Derrière nous. Venez à moi. Ça les tue quasiment d'un coup, voire d'un coup en fait.
Ah oui, ça la tue direct. J'adore. Cheat code. Le trou noir. Je tire, me bête pas dans ma ligne de mire, idiot! Shepard, ce Get, il me paraît judicieux de le rapporter avec nous. Son comportement était étrange. Laissez-le, on a d'autres chats à fouetter. Tali affirme que personne n'a encore capturé de Get intact. Vous connaissez les risques. Je n'ai rien à ajouter. Pas le temps de débattre. En avant. Accrochez-vous. Ouvrez le sas bâbord. Compris. On peut y aller, go! Pourquoi il est en train d'exploser? Il va juste retomber sur la planète, quoi. Il discute de notre passager synthétique. Pour l'instant, il est en isolation dans le noyau d'IDEA. Un Get intact serait d'une valeur inestimable pour la division cyberarmement de Cerberus. Ça ne sera pas de trop contre les moissonneurs. Je suis absolument pas de cet avis. Après ce que j'ai vu sur Eden Prime, je suis d'avis qu'on le balance dans l'espace. Ça fait je ne sais pas combien de temps que Cerberus offre une prime mirobolante pour la capture d'un Get intact. Je veux savoir pourquoi il a un morceau d'armure N7 attaché à la poitrine. C'est peut-être un trophée. Vous croyez qu'une machine peut saisir cette notion? Non. Un trophée est un signe d'émotion. Les IA n'en ont pas. Ça doit être une réparation de fortune, rien de plus. Non, les IV n'en ont pas, les IA peuvent en avoir. Oh. J'ai détruit des centaines de ces trucs, mais je n'ai jamais eu l'occasion de leur parler. Celui-ci a essayé de communiquer avec nous. Il nous a sûrement sauvé la vie. Bon Dieu, pourquoi? La réactivation du Get représente un risque. S'il faut en arriver là, que ce soit dans l'intérêt de l'humanité et pas pour satisfaire votre curiosité. Je continue à croire que nos intérêts... passe par un largage. D'abord lui parler. Je ne prendrai aucune décision avant d'être fixé sur ce qu'on a là. Je veux le mettre en marche, l'interroger. Si on l'active, rien ne dit qu'on pourra le désactiver ensuite. Si, mon flingue. Oh, c'est pas ce que... Merci à tous deux pour vos précieux conseils. J'ai pris ma décision. Tali va en chier des ronds de chapeau quand elle apprendra ça. Alors, cet identifiant moissonneur... J'ai découvert comment l'interfacer à nos systèmes. Toutefois, il demeure issu d'une technologie inconnue. Sa connexion avec les systèmes du Normandie présente certains risques. Mais on n'a pas le choix. Ce module, c'est le seul moyen qu'on a de passer le relais Oméga 4. Sans lui, on ne peut pas arrêter les récolteurs. Compris, Shepard. Il faudra sans doute plusieurs heures avant que le module soit prêt à être testé. Je vous avertirai dès qu'il sera opérationnel. Parfait. D'ici là, vous pouvez reprendre vos activités. Rompez. L'autre choix, c'était de le donner à Cerberus. Hors de question. La flotte nomade ou l'IARA pour le courtier de l'ombre, ok. Mais pas ça. Mais pas Cerberus. Ça, je récupère. La pompe aussi. Spécialiste de l'armement. Vraiment parce que je viens de faire fusil à pompe 5 sur 5. Le module d'identification est presque installé, mais je dois encore tester son impact sur les systèmes du Normandie. Je vous suggère de prendre la navette pour atteindre votre prochaine destination. Ok. Transmission cryptée. Homme trouble. Shepard, je constate avec plaisir que vous avez pu récupérer l'identification moissonneur. J'ai fait parvenir à IDEA les protocoles nécessaires à son intégration au système du Normandie. Avec un peu de chance, cela nous permettra de traverser le relais Oméga 4 et de montrer aux récolteurs de quel bois nous nous chauffons. J'ai eu vent de l'existence d'un Get intact et de votre décision de le garder. Si vous pensez digne de confiance, activez-le.
Si vous avez déjà balayé largement, vous avez déjà balayé largement dans votre recrutement. Et si les guettes se montrent coopératifs dans la lutte contre les recruteurs, les avoir à d'autre côté est un atout. Idea va être équipée d'une protection contre les tentatives éventuelles du piratage incessamment. Pourquoi c'est pas déjà fait? Personnellement, ce n'est pas forcément la décision que j'aurais prise. Mais justement, c'est justement pour ça que je vous ai choisi. Les balles sont dans votre camp. Et je sais que vous ferez de votre travail, quel qu'en soit le prix. Ok. Hop. On va aller activer le monsieur. Je me souviens d'où il est. Ah oui, avec IDEA, juste. Donc, pour quartier d'équipage. Il a été placé dans le module d'IDEA. Pas sûr que ce soit le plus intelligent, mais bon. Il peut t'armer. On ne sait jamais. Garde à vous. Je réactive. Je vais réactiver ce truc. Tenez-vous prêt. Oui, chef. Tenez-vous prêt. Il a même pas l'arme sous le... J'ai isolé nos systèmes et dressé des pare-feux supplémentaires. Je suis prête à résister à toute tentative d'intrusion. Au moins, elle, IDEA se prépare. Oui. Tu vas m'attaquer? Non. Pourquoi pas? Tu me connais? Tu as prononcé mon nom à bord du Moissonneur. On se connaît? Nous vous connaissons. J'ai combattu pas mal de guettes, tu veux dire? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Toi et moi, non. Mais les autres guettes, j'en ai vu à l'appel. Nous sommes tous les guettes. Nous ne vous avons jamais rencontrés. Vous êtes Shepard, commandant, alliance, humain, ennemi des hérétiques. Tué par les récolteurs, redécouvert sur l'ancienne machine. Ennemi des hérétiques. Après. Ancienne machine. Le moissonneur, tu veux dire? Moissonneur. Titre superstitieux instauré par les protéins. Nous nommons ces entités anciennes machines. T'as l'air d'en connaître un rayon sur mon compte. Source extranet. Transmission non sécurisée. Toutes les données organiques envoyées sont reçues. Nous vous surveillons. Surveiller qui? Qui ça? Moi ou les organiques? Oui. Oui à quoi? Les deux. Aux deux. Qu'est-ce que c'est que ça, les hérétiques? Les guettes se forgent leur propre futur. Les hérétiques, eux, ont demandé aux anciennes machines de leur donner le futur. Ils ne font plus partie de nous. Nous analysions les ressources matérielles de l'ancienne machine pour protéger notre futur. Vous aussi, les moissonneurs vous menacent? Oui. Mais vous êtes des machines. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à attaquer d'autres machines? Nous sommes différents d'eux, étrangers à leur projet. Quel futur se forgent les guettes? Le nôtre. Et les organiques? Est-ce que d'autres races seront affectées par ce que vous faites? Si elles s'en mêlent, oui. Clair, net, précis. Quoi, vous n'êtes pas allié aux moissonneurs? Nous sommes en conflit avec les hérétiques, avec les anciennes machines. L'administrateur Shepard est en conflit avec les anciennes machines, avec les hérétiques. La coopération servira à nos objectifs mutuels. Quel est ton nom? Alors tout ce que je veux savoir, c'est quel nom te donner. Get. Pas votre nom en général, le tien. Nous sommes tous Get. Comment s'appelle l'individu en face de moi? Il n'y a pas d'individu, nous sommes Get. Il y a actuellement 1183 programmes actifs dans la présente plateforme. Mon nom est Légion. Car nous sommes nombreux. Bien vu. Ça colle au personnage. Bible chrétienne, évangile selon saint Marc, chapitre 5, verset 9. Nous reconnaissons la pertinence de la métaphore. Nous sommes Légion, terminal des guettes. Nous allons nous intégrer au Normandie.
Nous anticipons l'échange de données. Administrateur Shepard, nous avons terminé l'analyse du noyau de données du moissonneur. T'as trouvé quelque chose d'utile ? Si nous avons été envoyés auprès de l'ancienne machine, c'est pour préserver le futur des guettes. Nous sommes prêts à vous en dire plus. Les hérétiques ont développé une arme à utiliser contre les guettes. Vous la nommeriez Virus. Elle est stockée dans un noyau de données fourni par Sovereign. Au fil du temps, le virus nous changera, nous forcera à conclure que l'adoration des anciennes machines est logique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rendre dans le cadavre du moissonneur ? Les hérétiques stockent le code dans un périphérique de stockage quantique fourni par Sovereign. Pour trouver et détruire le virus, il nous fallait comprendre son code et la structure de son stockage de données. Alors le virus donnerait à tous les guettes la logique des hérétiques, et tous les guettes partiraient en guerre contre les organiques. Oui. Les guettes estiment que toute vie intelligente a un droit d'autodétermination. Les hérétiques ne partagent plus cette croyance. Ils jugent préférable de nous faire parvenir à une conclusion non valide, plutôt que de perpétuer le schisme. Je pensais qu'on ne pouvait pas pirater les guettes plus de quelques secondes. Les programmes modifiés sont rétablis à partir des archives et les nouvelles installations supprimées. Cette arme hérétique introduit une subtile erreur de calcul dans nos architectures centrales, l'équivalent de votre système nerveux. Un quotient de 1,33382 est calculé à 1,33381. Par extension, tous les résultats des processus supérieurs sont faussés. Nous parvenons à des conclusions différentes. Waouh. Si le virus était libéré, il faudrait combien de temps pour qu'il contamine tout ton peuple ? Nous sommes connectés en réseau par balise de transmission SLM. La plupart changeraient en l'espace d'un jour. Les plateformes isolées resteraient non affectées jusqu'à leur reconnexion au réseau. Tu sais où est cette chose ? Dans le quartier général des hérétiques, à la lisière des systèmes Terminus. Nous allons vous fournir les coordonnées. Les systèmes furtifs du Normandie sont nécessaires pour approcher sans danger. On va s'occuper de... Le QG des hérétiques. On dirait qu'on va pouvoir mettre définitivement fin à leur raid. Je valide. Il est possible de parvenir à une victoire totale. Nous ne pouvons estimer les probabilités pour l'instant. Néanmoins, nous allons entamer les préparatifs. Et donc, Légion est le dernier compagnon qui peut rejoindre l'équipage. Lors du prochain épisode, nous irons faire donc la mission de Légion. Et il y a peut-être du scan un peu à faire avant, mais bon, ça, je ferai hors vidéo. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Déjà lu, ok. On va donc se laisser ici pour cet épisode, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et comme toujours, en attendant, prenez soin de vous. Bye.